c'est celle-là? On dirait une folle ou une prostituée. Oui, c'est qu'elle a de qui tenir. Oui, bien sûr que oui. Ma belle, bien sûr que vous recevrez votre part. Mais donnez-moi juste un instant. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Avec qui vous voulez que je parle? Attention, c'est Christina, Madame Montserrat. Votre fille, celle que vous avez abandonnée. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Mais dites-lui bonjour, enfin, soyez poli. Vous n'allez pas rejeter votre fille. Allô? Bande de traînées! À quoi est-ce que vous cherchez à jouer avec moi? Non, on n'essaye pas de jouer avec vous. On est vraiment sérieuse maintenant. C'est bien votre fille. Et vous venez même de l'entendre au téléphone. Ça va? Que s'est-il passé? Juste un appel très bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que c'était une mauvaise nouvelle? Je sais pas. J'ai rien compris à ce qu'on m'a dit. Bon alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Vous n'avez pas de femme, ni de partenaire, c'est bien ça? Bien sûr que si. J'ai la chance d'avoir une partenaire. Ah oui. Mais je la vois nulle part. Elle est là? Oh, mais où es-tu passée, Gisèle? Oh, quelle avalanche de malheur, mon Dieu! Hey, Carluccio! Ah, mon Dieu! Pourquoi? Pourquoi autant d'injustice? Pourquoi? Faites que rien ne soit arrivé à ma petite fille, s'il vous plaît. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi, Ramon? Pourquoi il n'est plus là? Alors comme ça, vous voudriez m'aider à supporter la solitude en prison en me tenant compagnie? J'aurais adoré le présenter comme ça. Ça se voit que vous êtes un homme distingué. Et sans aucun doute du genre fortuné. J'ai un bon flair pour les repérer. Ah oui? Vous avez du flair pour repérer ceux qui sont malheureux? Ah ouais, mais ceux-là, ils ne m'intéressent pas. On peut pas payer sa facture avec la tristesse. Pour être sincère, je dirais que c'est exactement ce que je suis. Je suis un homme éploré qui a été blessé. J'ai été blessé à cause de la méchanceté des autres et à cause de ma propre naïveté. Mais bon, ça ne doit pas vous intéresser. Ce ne sont que mes problèmes. Mais si vous voulez en parler, j'y suis disposé. Je connais très bien cette sensation, je suis déjà passée par là. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour raconter ma vie. C'est le jour des visites conjugales. Alors venez avec moi oublier votre tristesse. Vous avez l'air d'être un gagnant. Et vous pourriez me le montrer au lit? Un gagnant? Franchement, comment pouvez-vous qualifier de gagnant une personne qui vient de perdre sa liberté? Oh non, là vous êtes ennuyeux. Et le pire en plus, c'est que tous mes comptes bancaires ont été bloqués. Je ne suis pas vraiment riche. Ah ouais? Bah on aurait dû commencer par là alors. Salut toi, dis donc, tu voudrais pas ma photo? Et comment vous savez que c'est bien ma fille? Comment je peux être sûre que vous l'avez bien retrouvée? Ah, allez, Madame Montserrat, franchement, ce que vous pensez n'est pas important. Je vous avais dit que je détruirais votre vie. Et c'est ce que je vais faire. Vous allez la voir, l'écouter, parler avec elle, ce sera suffisant. Et vous, vous allez devoir expliquer en détail à cette pauvre enfant comment vous avez pu l'abandonner. Oui, alors moi, écoutez, sincèrement, je ne sais pas ce qui va me plaire le plus. Si c'est faire justice ou vous voir souffrir. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. L'opération a été un vrai succès. Monsieur Madronio va vraisemblablement récupérer toutes ses fonctions, mais la rééducation risque d'être longue et fastidieuse. Bon, tout ce qui compte, c'est qu'il aille bien, n'est-ce pas? Docteur, s'il vous plaît, dites-moi que tout va rentrer dans l'ordre. Tiens. Alejandro,
Pour fuir un problème, tu risques de t'en créer un autre. Tu vas te marier. Et c'est pas rien quand même. Avec une femme que tu n'aimes pas. Mais elle m'aime. Tu le sais bien. Et je finirai par l'aimer. Juan Luis, l'amour n'est pas toujours le résultat d'un coup de foudre, ça ne peut pas être toujours aussi magique. Mais l'amour se cultive, Juan Luis. Oui, on peut le cultiver. Mais c'est seulement s'il existe vraiment. Bon sang, Juan Luis. Alejandro, ce mariage va te compliquer la vie. Et ça sera pas de la faute d'Aïda, non, non. Mais c'est parce que vous allez créer des liens un peu artificiels. Et si ça se trouve, dans un an, vous aurez un autre enfant. Tu sais que j'y pensais justement hier soir. Je me suis dit que je voulais avoir un autre enfant avec Aïda. Mais oui, on va créer des liens, comme tu le dis. Mais tu sais quoi? Ça me permettra d'être stable. Stable, mais vide de sens. Mais une vraie vie, une vraie vie. Nous lui expliquerons quels seront les soins et le traitement quand il sera conscient. Mais c'est essentiel que vous sachiez que pour s'en remettre complètement, il lui faudra beaucoup de temps et ça lui demandera des efforts. Super. Ah, oh, c'est pas vrai. Le plus important, c'est qu'il n'ait rien de grave. Il va déjà mieux. Mais c'est vrai que j'avais pas imaginé que son rétablissement serait long et fastidieux. Ce qui compte, c'est qu'il aille bien. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Oui, bien sûr, Sol. Je sais que tout va s'arranger. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et je ne sais pas combien de thérapies. Bon, alors écoutez-moi bien. Cette histoire ne vous regarde pas. Pourquoi vous n'iriez pas voir votre fille pour lui expliquer comment vous l'avez abandonnée? Vous vous fichez d'Heriberto. Arrêtez de faire semblant de vous inquiéter pour lui. On va voir ce que tu vas devenir. Protégé par un invalide. Pardon? Tu sais, la seule personne qui te protège, c'est Heriberto. Et maintenant, avec ce pauvre type qui ne peut même pas manger une soupe tout seul, comment tu vas te défendre? Ah, grâce à Dieu, elle va bien. Quand je suis arrivée à la maison et qu'elle n'était pas là, je me suis inquiétée. Oui, 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 elle est là. Mais est-ce que tout va bien, Ricarda? S'il te plaît, dis à Gisèle qu'elle rentre immédiatement à la maison. Enfin, si elle a pu venir toute seule, j'imagine qu'elle peut aussi revenir toute seule. Ou sinon, je viens la chercher. Mais s'il te plaît, c'est très urgent qu'elle rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu m'as envoyé tous ces messages? Il s'est passé quelque chose? Gisèle va bien? Carlos, il va falloir que tu sois fort. Ramon. Qu'est-ce qui est arrivé à Ramon, maman? Ramon est mort. Ramon est mort. Avec toute une armée d'alliés à tes côtés, ta vie pourrait être très facile. Mais je voudrais te voir toute seule et sans soutien en train de te battre contre moi. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas peur et que j'étais prête à me battre jusqu'au bout, vous verrez bien. Sol, laissez-la parler. Ne rentrez pas dans son jeu. Eh bien, vous verrez. Vous ne me connaissez pas. Vous croyez me connaître. Mais vous ne savez rien de moi. Non, on n'aurait jamais dû la laisser partir toute seule dans la rue. Gisèle ne s'est pas encore complètement rétablie. Elle peut très bien avoir une perte de mémoire et se perdre à tout moment dans la rue. C'est sa mère qui l'a dit, Torombolo. Si Gisèle est venue ici, elle doit bien savoir comment revenir chez elle, non? Tu crois qu'il s'est passé quelque chose? D'après ce que tu m'as dit, la mère de Gisèle avait vraiment l'air d'être dans tous ses états, non? Oui, mais j'espère pas. En tous les cas, en parlant de problèmes qui risquent de nous arriver, eh bien, c'est fait, Torombolo. De quoi tu parles? Eh bien, de Gisèle! De Gisèle qui est écœurée de ce qui s'est passé, Torombolo. Et c'est bien compréhensible, n'est-ce pas? Elle vient de découvrir qu'on était mariés, c'est normal qu'elle le vive mal. Et en plus, on attend un autre bébé. On n'a pas fini de le lui expliquer. Bon, c'est normal qu'au début ça ne lui fasse pas plaisir, mais c'est pas une raison pour qu'on se dispute. Je suis convaincue qu'elle finira par s'y faire. Non, non, elle ne s'y fera jamais. Ni maintenant, ni demain, ni tout de suite, ni petit à petit, Torombolo. Ça, c'était pas juste une petite dispute, non. Mais la première d'une longue série. Alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites avec cette voiture? C'est la mienne. C'est la voiture que je viens à peine d'acheter à l'instant. Vous venez à peine de l'acheter à l'instant?
Vous me prenez pour une andouille ou quoi? Et qu'est-ce qui vous fait croire que je voudrais vous prendre pour une andouille? Je savais bien que vous étiez intéressé par Carluccio. Mais bon, j'ai préféré lui faire confiance parce qu'il m'avait dit qu'il n'y avait rien entre vous. Et vous avez fini par bousiller notre relation. Mais de quoi est-ce que vous parlez? C'est vous, la vaurienne. La quoi? Comment va la petite? Tout va bien? Oui, madame Saul, tout va très bien. Oh, merci. Bon, s'il vous plaît, je voudrais vous demander un énorme service. Je cours un grave danger en ce moment. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre la petite chez vous le temps que ça aille mieux? Mais qu'est-ce que vous faites, Saul? Eh bien, je prends les menaces de Reina au sérieux. Écoutez, je pense que ça ne devrait pas durer très longtemps. C'est juste pour la sécurité de ma fille. Est-ce que vous pourriez me rendre ce service? Oui, bien sûr que oui, madame Saul. Si vous voulez, je peux l'emmener chez moi tout de suite. Ok, très bien. Alors allez-y. Oui, d'accord. Écoutez, Carmen. Reina ne parle jamais dans le vent. Et en ce moment, je suis toute seule sans Heriberto. Et je suis certaine qu'elle va essayer d'en profiter pour me nuire. C'est pour ça que je peux pas garder la petite en ce moment. Et vous? Et vous, vous ne devriez pas chercher une autre maison où elle ne pourrait pas vous retrouver? Ou demander une protection privée, je ne sais pas. Est-ce que vous y avez pensé? Oh, je sais pas, Carmen. En fait, je sais vraiment plus quoi faire. Pour le moment, la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est trouver une solution pour Heriberto. Il ne pourra plus nous protéger, il sera invalide pendant trop longtemps. Et je dois la trouver maintenant. Oh non, oh non. Mon téléphone. Je ne l'ai pas. Oh, j'espère que ce n'est pas ce que je crois. Oh, Gisèle, ma chérie, enfin tu es là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous arrive? Pourquoi vous pleurez? Bonjour, comment ça va? Je suis Béatrice, la petite amie de Carlos. Mon amour, ma toute petite. Il faut que je te dise quelque chose qui ne va pas être facile à entendre. Et en plus, dans ton état, ça risque d'être pire. Ça pourrait vraiment te faire du mal. Il faut que tu respires profondément, ma chérie. Respire à fond. Gisèle, Ramon est mort. Mon amour, il était très malade. On t'expliquera en détail ce qui s'est passé après. Et l'autopsie n'a encore rien permis de comprendre. J'étais avec lui quand il est mort. J'étais avec lui quand il... Deux horribles nouvelles d'un seul coup. Comment ça, deux horribles nouvelles d'un seul coup? Gisèle, qu'est-ce qu'il y a? Au revoir, mon amour. Et pardonne-moi, d'accord? Si je fais tout ça, c'est pour ton bien. C'est pour assurer ta sécurité. Que Dieu te bénisse, mon amour. Écoutez, je vous appellerai bientôt. Et s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. On est bien d'accord? Oui, très bien, madame. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Et faites attention. Non, je l'ai perdu. Il n'est pas dans mon sac. Je me dis que c'est probablement un coup de Reina, elle a dû le prendre. Oh, mais pourquoi faire? Elle a commencé une carrière de pickpocket? Eh bien, parce que j'ai le numéro de sa fille dans mon répertoire. Et Reina, plus que quiconque, voudrait le récupérer. Écoutez-moi, vous devriez partir d'ici, vous aussi. Ok, attendez une minute. Tout ce qu'on doit faire, d'abord, c'est commencer par garder notre calme, hein? Je vais faire attention, mais je ne vais pas non plus devenir paranoïaque à cause de ce qu'a dit cette femme. Oui, c'est bien moi. Un appel en PCV? Oui? Oui, passez-le-moi, s'il vous plaît. Allô? Je te retrouverai, petite traînée. Où que tu te caches? Je te retrouverai. Tu es seule au monde, ma petite. Et je ne ferai qu'une bouchée de toi. Alors, sois bien sur tes gardes. C'est tout pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? C'était qui? C'était encore Reina qui me menaçait. Mais je ne compte pas rentrer dans son jeu. Tout ce qu'elle veut, c'est me faire peur et je ne vais pas lui faire ce plaisir. Saul, laissez-moi engager un service de protection privée. Vous avez de quoi les payer. Bon, d'accord, occupez-vous-en et tenez-moi au courant. Pour le moment, je vais appeler la sécurité de l'hôtel. Le plus important, c'est que ma fille soit en sécurité. Vous voulez que je reste avec vous? Non, 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 ce sera pas la peine.
En attendant, dépêchez-vous de trouver un autre téléphone et donnez-moi votre numéro. Je n'ouvrirai cette porte à personne, d'accord? D'accord, on fait comme ça. À plus tard. Oui. Je ne suis pas une pauvre petite fille sans défense. J'ai un bébé dont je dois m'occuper et du coup je suis obligée de me défendre. Et avec ou sans Heriberto, je ne la laisserai pas me toucher. Ça, je le jure. Mais de quelle autre mauvaise nouvelle tu parles? Ah non! Ah non, ne me dis pas qu'il s'est passé autre chose, s'il te plaît. Non, ça va, maman, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Madame, excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi, puisque Ramon était en train de se remettre, il avait déjà fait des progrès? C'est bien ça. Vous avez dit que son état était meilleur, que vous aviez même pu lui parler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, il était encore très faible. Et il m'a dit qu'il voulait me dire quelque chose et il a commencé à convulser. Et il est mort. Il est mort comme ça. Oh mon Dieu, c'est vraiment terrible. Il va falloir qu'on se soutienne pour supporter cette perte. Ça ne va pas être facile. Oh non, ça ne va pas être facile. Vous allez nier que c'est avec cette voiture que vous êtes allé chercher Carluccio au tribunal? Vous allez nier que vous êtes enceinte et que vous allez vous marier avec lui? Je suis enceinte, moi? Enfin, vous êtes malade, vous savez. Soignez-vous, hein. Je sais bien que je fais moins que mon âge. Mais quel âge est-ce que vous croyez que j'ai? Écoutez, le problème, c'est que je connais bien cette voiture et c'est celle de la vaurienne qui a détruit ma vie. Et donc maintenant, j'ai bien compris que c'était vous, cette vaurienne. Attendez. Je viens de comprendre. Mais oui, j'ai compris. Laissez-moi vous expliquer tout depuis le début. Vous vous êtes complètement trompé. Bon, en effet, c'est bien la voiture de la femme de Carluccio. Mais ce n'est pas moi, c'est Béatrice. Je veux dire, je ne suis pas la vaurienne. Elle a vendu sa voiture à moi. Vous faites le lien? Ça va mieux maintenant? Alors comme ça, on va se marier dans 2 jours. Mais c'est fou, non? Aïda, s'il te plaît, tu ne le regrettes pas, non? Non, je suis pas en train de dire que je regrette, c'est juste que... Il y a quelques mois, tu m'as abandonnée pour Sol et t'avais l'air très sûre de toi. Et maintenant, tu décides qu'on se marie dans 2 jours. Je sais que ça a l'air un peu précipité. Mais fais-moi confiance, s'il te plaît. Je prends la meilleure décision pour nous deux. Alejandro, je sais bien que si tu le pouvais, tu quitterais tout pour retourner avec Sol. Ça se voit que t'essayes de l'oublier. Que cette précipitation, c'est juste pour essayer d'oublier ce que tu ressens pour elle. Je sais bien. Je ne compte pas nier ce que tu as parfaitement compris. Mais aide-moi, Aïda. Aide-moi à sortir de cette horrible situation, s'il te plaît. Tiens, Columba. Ah, Raquel, je ne sais même pas comment te décrire ce que je ressens. C'est comme si j'avais une grosse boule de tristesse en travers de la gorge. Oui, c'est ça, plus ou moins. Calme-toi, Columba, respire et bois une gorgée. Tu sais que je l'aime très fort, Raquel. Je l'aime énormément, mais pour moi, ce concept de visite conjugale, je crois que c'est au-dessus de mes forces. Ça ne me va pas, je ne suis pas ce genre de femme. Écoute, je comprends bien que c'est difficile, que ce n'est pas ce que tu espérais. Mais il faut aussi que tu fasses un petit effort, tu sais, ressaisis-toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pratiquement à cause de toi que Eloy est en prison. Il a voulu te prouver que c'était toi la vraie femme de sa vie, que c'était avec toi qu'il veut vivre. Oui. Ben donc, il a fait tout ce qu'il pouvait, Columba. Il a même sacrifié sa liberté. Tu ne crois pas que tu devrais faire un petit effort? Il va passer 5 ans dans cette cellule. Tu ne peux pas le laisser tout seul, sans réconfort, pendant tout ce temps. Il faut que tu sois forte, Reina. Tu n'es pas allée aussi loin pour venir t'échouer sur le rivage. Tout va bien se passer. Sol ne pourra rien faire. Même si c'est le pire moment de ta vie. Tiens bon, ça ira.
Bonjour. Je suis la femme avec qui vous avez parlé. C'est moi qui vous paye. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il est où l'homme que je dois rendre heureux, hein? Je suis la résurrection et la vie, a dit notre Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour l'éternité. Venez à son secours, mon Dieu. Que tous les anges du ciel viennent à la rencontre de son âme. Recevez son âme et présentez-la à notre Seigneur. Accordez à notre ami le repos éternel et que brille sa lumière pour toujours. Amen. Amen. Allô? Allô, Sol, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, Maître Garcia. Je connaissais pas votre numéro, alors je vous ai pas répondu avant. Ah, pas de problème. Comment est-ce que vous allez? Oui, oui, ça va, tout va bien. Et vous? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'on se verrait plus tard. Bien, j'ai trouvé des agents de sécurité, comme je vous l'avais dit. Mais... j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est le père Ramon. Le père Ramon est décédé. Oh, c'est pas vrai. Oui, oui, bien sûr que je le connaissais. C'est horrible, c'était vraiment quelqu'un de bien. Oui. Rika est complètement effondrée. Nous sommes tous ensemble autour d'elle pour essayer de la soutenir. Oui, je comprends, je serais venue aussi. Si je l'avais su avant, j'aurais aimé pouvoir l'aider. Ne vous inquiétez pas, Sol, si vous n'êtes pas disponible en ce moment. Bon, dans tous les cas, dès que je peux... je passe vous voir pour discuter et on réglera tout ce qui reste à faire. Mais s'il vous plaît, faites attention. Alors, petite, dites-moi tout. Comment va votre vie? Pourquoi vous voulez savoir ça? Eh bien, parce que c'est moi qui vais vous payer et je veux savoir avec qui je parle. Est-ce que ça vous dérange, peut-être? En fait, je pense pas que l'histoire de ma vie puisse vous intéresser. Et encore moins alors que vous vivez dans une maison pareille. Eh bien, essayez, allez. Asseyez-vous, d'accord? Racontez-moi. Bon, ben, je suis pauvre depuis ma naissance. J'ai grandi dans un orphelinat, et après je me suis retrouvée à la rue. Un vrai désastre. Dans la rue. Vous avez connu la faim? Ben, très jeune, j'ai dû apprendre à me débrouiller pour survivre. Alors on peut dire que je suis assez débrouillarde. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire de ma vie, voilà. Ensuite, je suis allée en Espagne, et puis je suis revenue. Et maintenant, je suis là, voilà, c'est tout. C'est vraiment terrible. C'est horrible. Bon, allez, s'il vous plaît, vous pourriez m'expliquer ce que je dois faire? Avec qui est-ce qu'il faut que je couche? En fait, je crois qu'on s'est un petit peu emballé, qu'on a exagéré. Non, Sol, on ne s'est pas emballé. Vous êtes en danger, restez vraiment sur vos gardes. Et surtout, ne sortez pas de l'hôtel tant que je ne suis pas là. Oui, oui, d'accord. Je vais même ne dormir que d'un œil, alors. Ne vous inquiétez pas, je vous préviens s'il se passe quelque chose. Oui, qui c'est? C'est la police, madame. Je suis venu vous poser quelques questions au sujet de... l'accident de votre mari. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre? Oh, bon sang, je sais pas quoi faire. Voilà, tenez. Ah, attendez. Qu'est-ce qui vous prend, là? Pourquoi vous voulez me donner autant d'argent? Écoutez, prenez ce téléphone et donnez-moi le vôtre. Et disparaissez jusqu'à ce que je vous rappelle. C'est tout ce que je vous demande. Vous êtes complètement folle. Oui, oui, je suis folle.
et en plus très puissante. Alors maintenant, faites-moi le plaisir de déguerpir tout de suite, avant que je regrette tout ça. Je vous ai dit que je vous appellerai. Déplacer jusqu'ici. Madame, je vous l'ai déjà dit. Je suis venu pour vous poser quelques questions. C'est au sujet de l'accident de votre mari. Ah oui, et pourquoi ils n'ont pas envoyé le commissaire Tabarès? Il est au courant de tout et il ne m'a pas prévenu de votre arrivée. Le commissaire Tabarès est vraiment débordé de travail, madame. C'est lui qui m'a envoyé. Débordé de travail? C'est pas vrai, il est en vacances. Cet homme ne fait pas partie de la police. Oh mon Dieu! Il faut que je fasse quelque chose. Donnez-moi un instant, d'accord? Je vais juste me changer. Juste une petite minute. Je n'arrive pas à y croire. Quand on pensait que ma fille était morte, tu étais le seul à avoir réussi à me maintenir en vie, Ramon. Le seul qui m'a permis de toujours garder espoir. Et maintenant, il faut que je te dise adieu. Toutes mes condoléances. Mais pourquoi certaines personnes sont si têtues? Hein? Ramon? Ramon, est-ce que tu te rends compte? Hein? À force d'être trop honnête, trop humble, tu ne vas même pas pouvoir être présent pour assister à mon triomphe. Maman? Mais maman, tu... Est-ce que tu vas bien? Je ne t'ai jamais vu pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Souviens-toi de ça, Alicia. Garde-le bien en tête. Pour posséder le monde tout entier, il faut beaucoup de courage. Tout le monde n'en est pas capable. Mais le prix à payer est très élevé. Et tôt ou tard, on finit toujours par le payer. Je suis tellement triste, Ricarda. Merci. Excuse-moi. Allô? Bonjour, chérie. Dis-moi où est-ce que t'es. Pourquoi t'es pas venue? Mon amour, excuse-moi. Je suis vraiment désolée, mais... J'ai dû rester à l'école de mes enfants. Il y avait une réunion très importante et je n'assiste jamais à leur activité. Mais je te raconterai plus tard. Ramon était beaucoup trop honnête pour vivre dans ce monde. C'est vrai. Oui, tu as raison. Je sais que Ramon était comme ton fils. Sergio, occupe-toi bien de tes enfants. Ne les néglige jamais. Sois tranquille. Je sais très bien pourquoi tu me le dis. À ce propos, en parlant de mes enfants, je voudrais parler d'un sujet important. J'ai échangé avec... Je vais essayer d'être le plus franche possible avec toi, Sergio. Oui. Bien sûr que je lui ai cassé le nez à cette horrible femme. S'il te plaît, je ne veux pas commencer... Ah, mais je le referai. Je le referai à chaque fois qu'elle voudra venir me chercher des ennuis. Est-ce que c'est clair? Plus qu'un jour, Aïda. Dès demain, nous serons mari et femme. Et tu as choisi ce que tu allais mettre demain? Ben, dans tous les cas, ça sera pas une cérémonie grandiose, ça sera juste une petite cérémonie entre nous. Oui, mais c'est notre mariage. Écoute, Alejandro. Ne te force pas à montrer de l'enthousiasme alors que t'en ressens pas. C'est juste un pacte entre nous deux, c'est tout. Tu veux l'oublier et moi je t'aide. Tu sais quoi? J'aimerais pleurer. Pour Sol.
pour son absence. Mais non, je dois me forcer à me l'enlever de la tête. Seul Buendia ne mérite pas que je pleure. Alejandro, c'est la vie. Tu sais, tu apprendras qui mérite tes larmes et qui ne les mérite pas. Attends. Ça me fatiguerait de devoir frapper cette femme à chaque fois que je la vois. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Tu ne devrais pas céder à la violence, Rika, s'il te plaît. C'est vrai, mon chéri. Moi non plus, je n'aime pas les complications. C'est pour ça que je vais te faire une proposition claire, nette et précise. Tu divorces ou on arrête? You know what I mean? Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà pris ma décision. Je sais à quel point tu l'aimais. C'est pour ça que je suis là. En l'honneur. Bien sûr que oui. L'opération peut être considérée comme un succès. Par contre, il est encore un peu tôt pour faire un pronostic. Nous verrons comment ça va évoluer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'on a pu réparer toutes les lésions. Mais ça va prendre du temps pour que vous vous rétablissiez totalement. Ça sera un peu lent et... En fin de compte, ça dépendra de votre volonté. Je pourrais de nouveau vivre comme avant, alors? Pour être plus clair, je pourrais de nouveau faire l'amour? Comme je vous l'ai dit, que ce soit pour cette fonction ou bien pour la marche, vous aurez besoin de temps. Tout dépendra de vous et de l'envie de redevenir celui que vous étiez avant. Bonjour, excusez-moi, docteur. Bonjour, je vous laisse. Heriberto, comment ça va? Écoute, il faut vraiment que je te parle. Sol, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Je sais que ça t'a fait un sacré choc, Gisèle. Je le sais et j'admire vraiment ta force. Parce que je vois que tu tiens quand même le coup. Je vois que tu n'es pas effondrée. Et je vois que tu es compréhensive et très mature. Barbara, tu sais, la mort de mon cher Ramon a été un terrible choc. Et justement, perdre un être proche, aussi cher que lui, me donne envie de m'accrocher de toutes mes forces aux gens que j'aime et qui sont encore là. Bravo, Gisèle. Tu as vraiment raison. Et peu importe le choc que j'ai reçu quand j'ai appris que Torombolo et toi... Vous étiez mariés. Gisèle, je ne crois pas que ce soit le bon moment pour parler de tout ça, tu sais. Barbara, le bébé que tu portes, il est de Torombolo. Mais est-ce que ça ne serait pas le produit du pacte qu'on avait fait toutes les deux? Gisèle! Qu'est-ce qui te prend? Comment est-ce que tu peux me demander ça? J'ai laissé la petite avec l'infirmière. Je suis sûre qu'elle ne court aucun risque chez elle. Je lui fais confiance. Mais attends, explique-moi tout. Pourquoi est-ce que tu parles de danger? Heriberto, Reina est au courant de ce qui t'est arrivé. Et elle m'a menacée. Elle m'a dit que sans toi pour nous protéger, Esperanza et moi, on était en danger. Et le pire, c'est que c'est vrai, Heriberto. Tout à l'heure, quelqu'un a essayé de m'attaquer. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un homme est venu me chercher en disant qu'il était de la police. Sauf que j'ai compris que c'était faux et j'ai réussi à partir avant qu'il force la porte. Je comprends mieux maintenant, Sol. Si elle n'y est pas arrivée maintenant, Reina va continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle y arrive, oui. Elle va te tuer, mon amour. Et moi, je serai là comme un légume, incapable de lever le petit doigt. Qu'est-ce que je peux faire? Partir. C'est ça que tu dois faire. On devait partir ensemble. Mais prépare tes affaires et vas-y toute seule. Toi, Esperanza, personne d'autre. Allez-y toutes les deux. Va-t'en avant qu'il soit trop tard, seul. Respiro, que la lucha ve tu cuerpo contenido. Estoy vivo, en la luna que quebró en tus suspiros. Reviro.
I'm